Bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour à tous les panafricains. Honneur à nos martyrs, les pères du panafricanisme, les pères de l'indépendance, les vrais, voilà. Nous rendons hommage toujours à Modibo Keïta du Mali, à Sylvanus Olympio du Togo. Nous rendons hommage à Thomas Sankara, à Lumumba, à tous les pères même avant eux, les Sundiata Keïta, voilà, les Samori Touré, les rois Béhanzin. Nous rendons hommage à toutes ces victimes innocentes déportées, voilà, tous ceux qui sont morts dans la mer, dans les océans, voilà, nous ne vous oublions pas. Aujourd'hui, je viens encore une fois devant vous, en tant que leader de l'association RASA, Rassemblement des Africains et des Afro-descendants pour la souveraineté de l'Afrique. Nous avons une grande conférence que nous organisons ce samedi. Le samedi 8 février 2020, au 27 avenue de Choisy, Paris 13e. Pour ceux qui vont prendre le métro, c'est le métro Porte de Choisy. À partir de 14h30, nous y sommes. Voilà. RASA, c'est l'association qui est autour de l'homme du métro par rapport aux actions que nous faisons. Et nous agissons sur trois axes, et surtout d'abord économiquement, parce que nous avons pensé. Beaucoup d'entre nous se disent, Donald, ça ne marchera pas les manifestations parce que les Africains ne sont pas motivés, ils ne sont pas déterminés. Voilà. Nous prenons en compte tout ça. C'est pourquoi nous voulons d'abord avoir, à RASA, nous voulons avoir une force économique. Nous voulons inciter la diaspora. Nous voulons inciter la communauté africaine, afro-descendante, afro-caribéenne, de pouvoir travailler dur, de pouvoir nous organiser en un grand marché déjà au niveau de la communauté. Nous voudrons aider tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, en faisant de la publicité, en mettant en visu ou des projections sur nos magasins afro. Voilà. Une fois que les afro où la diaspora aura une grande puissance financière, ils pourront investir dans le continent. Aider aussi les jeunes, financer les micro-projets, pourquoi pas. Et bien sûr, aussi nous militons sur le plan politique, dans les conférences que nous allons organiser, dans l'éveil de conscience, dans le métro, les messages que nous faisons passer, et dans les manifestations que nous organisons. Et bien sûr, dans le social, aider nos frères immigrés à s'intégrer, ou aider même ceux qui veulent aller s'installer au pays pour voir un partenariat ensemble avec eux, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Aider ces immigrés qui sont ici où on est leur dossier, faire des maraudes, aider et assister tous nos frères qui sont en difficulté, même dans les visites aussi. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant RASA. Et bien sûr, nous recevrons tout cela que grâce à vous. L'entrée à cette conférence, nous demandons simplement un prêt patriotique de 10 euros. C'est une participation afin que nous puissions réaliser les projets que nous avons dans RASA. C'est une participation patriotique à hauteur de 10 euros. Voilà. Sachant bien sûr que les salles ici ne sont pas gratuites, c'est payant pour organiser tout ça. Et grâce à vos 10 euros, emmenez vos amis, emmenez aussi votre famille. Grâce à vos 10 euros, si la salle est remplie, nous pouvons investir cet argent encore dans les projets que nous faisons pour la communauté, pour l'Afrique. Voilà. Parce que nous estimons que l'aide que nous apportons à nos familles, c'est plus que l'aide au développement de l'Afrique que offre l'Union européenne. Voilà. Donc nous-mêmes, nous pouvons assumer notre continent. Voilà. Nous pouvons prendre notre continent en charge. Nous pouvons doter nos armées pour protéger nos citoyens. Voilà. Et ça, sur la lignée de Marcus Garvey, qui avait mobilisé à son époque tous les Noirs et qui ont investi, qui ont donné de l'argent. Ce qui a fait que Marcus Garvey ait une flotte navale, une flotte aérienne, le premier président des États-Unis d'Afrique. Voilà. Le message que je voulais vous faire passer, et nous y arriverons que si toi, hein, homme ou femme, tu es avec nous, voilà, à seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. Voilà le message que nous voulons faire passer. Vraiment, c'est un défi, partager ce message-là. Nous voudrons que nous soyons nombreux à cette conférence-là. Comme dit le professeur Nicolas Agbou, c'est simplement lorsque nous comprenons plus les enjeux. Parce que le professeur Nicolas Agbo, c'est un docteur en économie. Depuis plus de 21 ans, il se bat pour cette lutte-là, pour le combat sur le franc CFA. Depuis plus de 21 ans. Voilà. Donc, après le livre de Tsin Jong Premi, le Camerounais, donc assassiné dans des circonstances très mystérieuses, celui, le monument vivant que nous avons, c'est le professeur Nicolas Agbo, qui explique dans un langage que tout le monde peut comprendre. Venez nombreux.
Donc, pour ne pas oublier, il dit que le professeur Nicolas Agbogbo dit, c'est lorsque on comprend plus les enjeux, on comprend plus qu'est-ce qui se joue derrière, qu'on est plus aguerri et déterminé pour le combat. Voilà, venez nombreux. Sans vous, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera qu'avec vous. Vous qui avez peur de venir dans les manifestations, vous qui avez peur de pouvoir vous afficher, vous pouvez dans l'ombre financer aussi Raza, financer tout ce que nous sommes en train de faire, ainsi pour que nous puissions partir plus loin. C'est pourquoi j'aimerais terminer par ce mot-là. On n'y arrivera jamais sans toi. On n'y arrivera là jamais sans vous. On n'y arrivera jamais. Il est question de sauver notre honneur, nous, Africains, nous, Noirs, et de nous mettre ensemble. 2020, l'année des convergences de lutte. On n'y arrivera jamais sans toi. Merci.